Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Temu. Alors, j'ai remarqué que avant ils nous mettaient des petits sacs oranges, maintenant ils sont plus oranges. Et j'ai vu qu'il y avait des youtubeuses qui en recevaient des oranges. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est parce que je voulais profiter d'une offre qu'ils m'ont faite. Une offre horrible. Et comme j'ai plus le droit de commander en dessous de 20 euros, eh ben, j'ai commandé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, je vais mettre là. Ah, il y a un autre sac dans un sac. Alors déjà, je vais sortir ça. Et ensuite, on a un autre sac. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est, il me semble que j'avais commandé deux hauts. Bah, il est bien froissé, je pourrais prendre mon faire passer et ma petite planche de chez Action. Ah, oh, il est bien. J'adore la couleur bleu dur comme ça, bleu gitane. Ouais, et j'ai pris du XXL. Donc, une petite ouverture devant. Si je veux que ça reste ouvert, je retourne le col. J'espère qu'on verra pas la taille, enfin on verra. Et les manches donc qui peuvent s'attacher ici, comme ça, voilà, il y a une petite languette à l'intérieur. Il est très froissé, mais voilà, il sent bon, il sent très bon. Oh, je me le sens bien ça, il commence à faire un peu frais. Ce matin je suis retournée chez Action parce que mon mari m'a dit que les casse-noisettes c'était par deux, c'est des gardiens. Donc, eh bien, on en a racheté un. Je vous le montre pas. J'ai racheté un petit pain d'épices. Donc, j'en ai deux. C'était le dernier qui restait. Et j'ai acheté des petites cartes de vœux comme ça. Parce qu'après, j'en aurai plus, je pense. Et j'ai pris les deux mêmes parce que c'est celle que j'ai trouvé plus Noël. Quoique celle-là, elle était dans une autre aussi. J'aurais pu, parce que c'était celle-là qui me plaisait pas. Mais présentée comme ça, elle me plaît mieux. Donc, c'est les mêmes. Il y en a trois dedans et c'est pour ma famille. Comme je fais, ma famille et mon ami, comme je fais chaque Noël. Voilà, donc ça, eh bien, je le repasserai. Voilà, je l'essayerai d'abord avant de le repasser, mais je pense que ça ira très bien. Voilà, si j'arrive à... J'arrive plus à l'ouvrir. Oh, il y a un vent comme pas possible. Je viens d'emmener, on a un problème à la voiture encore. On a changé les moteurs de vitre devant, évidemment, et un moteur de vitre à l'arrière. Ils en ont pas. Enfin, ah, il y a un petit truc là. J'ai commandé ça, moi. Oh mon Dieu, tu vois. Enfin, bref. Et donc, il y a un vent comme pas possible. J'ai commandé ça. C'est une petite broche avec une perle. Ah bon? Et pourquoi la perle? Alors, je me souviens pas avoir commandé ça. Je veux dire, c'est pas mon style du tout, quoi. Ah, mais ça va avec. Ça va avec, pardon. D'accord. La perle se visse. D'accord. Et oui, ça y est, je me souviens maintenant. Bon, dommage, c'est doré. Mais en même temps, en ce moment, j'aime bien mélanger le doré et l'argent. Ça ne veut pas se visser jusqu'au bout. C'est un petit truc qu'on rajoute ici pour le petit haut. D'accord. Ben, c'est hyper sympa. J'essaierai de le visser à fond quand même, que ça fasse plus joli. Je vais le mettre là pour pas l'oublier. Ensuite, ben, je vais ouvrir le second. Alors, pas faire de bêtises. Oui, je sais, ça fait peur le bruit des ciseaux, mais vous inquiétez pas. Je fais attention. Enfin, normalement, je fais attention. Alors, je vais peut-être l'ouvrir par là. C'est en direct live, hein. C'est arrivé ce matin. J'ai eu la notif. Voilà, et là... Il n'y a rien qui gêne. Hop, et voilà. Allez, on va prendre. Je pose là. Et je vais prendre ça. Pof, il y a un truc qui est tombé. Ça, c'est encore un haut. Alors, c'est un haut avec les fermetures éclair, là, comme j'aime bien. Parce que le mien, en fait, que j'avais acheté chez Amazon, eh bien, aux fesses, là, il est, il y a des fils tirés, vous savez. Voilà. Donc... Eh bien, j'ai pris celui-ci. Donc, il est noir, hein, vous ne le voyez pas, mais il est noir. C'est du XL. J'espère qu'il ne sera pas trop court. Apparemment, non.
Par contre, bon, il y a toujours le coup des petits boutons. Par contre, les boutons sont blancs. Alors, je changerai peut-être. Parce que franchement, blanc, bon, c'est pas gênant. Ça sent très bon. C'est bizarre. Ça sent très, très bon. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Voilà. Je dégonfle. Voilà. Ensuite. Ah, mais j'ai pris plus de haut que. Oui, parce qu'il y en a, je me suis dit, si ça va pas, tu les renvoies. Et comme si le prix est petit, eh ben, ils te disent de le garder. Donc voilà, celui-là avec des petites fleurs. Comme ça. Avec une encolure en V. Comme ça. Tout simple. Les manches ne se remontent pas, mais bon. Alors, il y a un petit élastique ici. Et en fait. Je voulais une chemise un petit peu foncée. Donc là, elle n'est pas noire, elle est bleu marine. On la voit noire, mais elle est bleu marine. Ouais, ça sent bon toujours. Donc la longueur a l'air d'être bien. Donc bah, écoutez, c'est bon. Eh bien, j'ai commandé plus de vêtements quand même. Mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi que j'ai pris du foncé déjà. Ça, c'est quoi? Ça doit être le. Ouais, ça doit être le produit qu'on m'a proposé pas cher. Et ça, c'est un jean noir. Hop, je vais ouvrir. Oh, il n'était pas ouvert. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà, c'est un jean noir, légèrement délavé. En fait, il est entre le noir et le gris. Non, il est noir avec du délavage. Donc, il sent très bon. J'ai pris la taille hein, XXL, normalement. Là, il me paraît petit. Non, c'est du XXL. Il est bien extensible. Et en fait, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai aucun pantalon noir à ma taille. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mes parents sont vieux et j'ai rien en noir et en foncé, en sombre. Voilà, donc il me servira bien entendu, mais voilà, j'en ai un, je l'essayerai. Normalement, il doit aller. C'est des tailles qui me. Enfin, la taille me va, la matière est bien. Il est. Enfin, il est vraiment noir, mais c'est vrai que le noir, on ne voit pas de noir. Il sent hyper bon. Alors, attendez. Voilà, je suis allée ramasser le petit truc qui est tombé. Alors, c'est ça, un petit truc là, comme ça, en silicone. En fait, qui doit bien tenir là comme ça, normalement. Et quand vous mettez du vernis, donc vous mettez votre vernis comme ça, et c'est censé plus bouger. Pas trop, hein, je trouve, mais bon. Bon, c'est censé plus bouger. Bon, c'est vrai que c'est plus tenu. Ça ne peut pas se renverser, dirons-nous. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Hop, on va le mettre dans le truc à ongles. Et alors le petit truc où ils m'ont fait une offre, j'ai pas pu résister bien évidemment, ils m'ont fait cette offre à 0,01 euro. Donc ça fait pas beaucoup. C'est celui-là? Oui. Et regardez, c'est un lot de vernis gel. Alors, est-ce que ça, on le coupe ou pas? Je ne sais pas. Alors, je vais couper. Je vous mettrai la photo et le prix. Pour les vêtements, pareil. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, ça y est. Hop. Alors, là, c'est quoi? Là, il y a un aimant. Alors, il me semble que j'avais regardé pourquoi, je ne sais plus. Bon, c'est des petites contenances, mais c'est hyper sympa, quoi. Ça, c'est le 1501. C'est du vert paillette. Alors, il me semble que c'est du vert. C'est, comment dire? Ben, justement, avec un aimant, je ne sais plus, je vais regarder. Il faudra que je vous le dise quand même. Ensuite, j'ai du violet avec des paillettes. Ensuite, j'ai du couleur marron clair avec des paillettes, du doré un peu.
Ensuite, j'ai de l'argenté paillette. D'accord. Ensuite, ça, c'est du rose, rose, un peu rose. Voilà. Paillette, c'est tout paillette? Normalement, je devais. Enfin. Pardon, pas que des paillettes. Et ça, c'est du beau bleu paillette. Donc, c'est que des paillettes. Et en fait, si j'ai bien compris, je vais regarder, je vous explique. Voilà, alors je viens de regarder et je vous mets la vidéo là. Et en fait, l'aimant, ça va servir soit à repousser la paillette. Je ne sais pas si vous verrez. Une fois que vous l'avez mis, vous pouvez repousser la paillette. Vous pouvez la faire passer dans l'autre sens, faire des formes. Voilà. Donc, il faut s'entraîner parce que j'ai jamais vu ça. Et là, il y a le petit aimant aussi. Peut-être si on veut faire un rond ou quelque chose. Donc, eh bien, écoutez, il faudra que je teste. Et je testerai sur les faux ongles comme ça que, comment dire, que j'ai eu chez Amazon. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça... Ouais, color gel. Donc, il faut catalyser UV LED. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, écoutez, on testera. Alors, j'ai regardé les avis. Il y en a qui disent qu'ils... Ils ne sont pas encore servis de l'effet magnétique, ils ne comprennent pas. Donc moi, j'ai vu la même vidéo que vous. Donc, eh bien, je pense qu'avant de le passer, vous pouvez donner une forme à vos paillettes. Les paillettes vont être soit repoussées, non, plutôt aspirées, parce que de l'autre côté, vous n'en avez pas. Est-ce que ça fait... En fait, vous vous passez sur l'ongle, tac, tac, tac. Et puis après, ben, comme sur la vidéo, vous voulez les repousser pour les mettre... plus à un endroit, faire une ligne, voilà, là, si vous voulez, un petit rond, donc, voilà. Donc, je testerai tout ça, et donc, ben, je suis bien contente pour un centime, franchement, ça va, quoi. Alors, il faudra, bien sûr, que j'essaye de les remettre comme ça, ça ne va pas être une mince affaire, et si je les mets comme ça, ça ne rentrera plus, je suppose. Si, je pense, oui, si, voilà, je rentre ça, donc, c'est un petit truc à tester. Et voilà pourquoi j'ai passé ma commande, qui n'est pas très grande, parce qu'en attendant, ils m'ont encore refait des propositions. J'ai plein de choses dans mon panier. Un jean, comme je prends d'habitude. Il était à 11 ou 12 euros, je ne sais plus. Et ils m'envoient une notif, allez voir votre panier. Je vais voir mon panier, il est à 5 euros. Alors là, dans mon panier, j'en ai pour 71 euros. Donc, j'avais pris des trucs de Noël aussi, mais après, je me suis dit, non, ça sert à rien. Donc, au fur et à mesure, j'enlève, au fur et à mesure, je remets, enfin, bref, voilà. Voilà, ben maintenant, il me reste donc plus qu'à essayer tout ça, toutes ces choses qui, normalement, devraient aller, j'espère, voilà. Et, ben écoutez, c'est super, hein. Allez, zou pour la petite photo, tac, il faut que je fasse la photo, hop, voilà, j'ai fait la photo. De ma vignette. Voilà, ben écoutez, je mette les couettes là au lit. Ils sont partis depuis un moment et j'ai toujours pas... Tout est plié sur le lit derrière moi, on le voit pas. Mais j'aime pas voir le matelas comme ça. Allez, je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.